Alors, chers amis, Parashat Ki Tetzé. Alors, de quoi elle parle la Parashat Ki Tetzé? Ki Tetzé la Milchama, lorsque tu vas sortir en guerre. La Milchama, c'est la guerre. Alors ici, la Torah va nous raconter, et comme elle nous racontait dans la Parashat précédente, la façon dont les Juifs partent en guerre et font la guerre. D'accord? Maintenant, les Balamoussar, ça veut dire les commentateurs, expliquent que ces versets-là, je ne dis pas en réalité, mais aussi viennent parler d'une autre guerre. Pas la guerre physique contre d'autres peuples ennemis, mais contre un autre ennemi. C'est qui cet ennemi? C'est qui l'ennemi? Le Yetzer Hara. Donc ici, la Torah, elle fait allusion à la guerre contre le Yetzer Hara. Et donc le verset nous dit, Ki Tetzé la milchama lorsque tu sortiras en guerre, alors il verra sur ton ennemi. C'est qui ton ennemi? C'est Yetzer Hara. Ici, on l'appelle ton ennemi, mais à autre endroit, on va l'appeler le Yetzer Hara, le meilleur ami de l'homme. Ouais, vous savez pourquoi c'est le meilleur ami de l'homme? Oh, il a fait. D'abord, il t'accompagne partout où tu vas. D'accord? Il est tout le temps avec toi, matin, midi et soir. Tout ce que tu as fait, il te connaît du début jusqu'à la fin. Par cœur, il te connaît. Et plus que ça, comme tu as dit, il te donne du mérite. Parce que si on n'est pas Yetzer Hara, on n'aurait aucun mérite dans la vie. Donc, sauf, celui qui m'aide à grandir dans la vie, à avancer, c'est qui? C'est mon mauvais penchant quand tu te surmontes. Quand tu te surmontes pas, c'est le pire des ennemis. En tout cas, c'est ton ennemi. Si tu le vois comme un ami, t'es foutu. Tu dois le voir comme un ennemi. Donc, or, tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Ou non, Hachem Elokecha beyadecha. Et il va te le donner, Hachem, dans tes mains. Veshavita shivyo. Et tu vas, comment traduire joliment ça, faire du butin. D'accord? C'est pas médouillac, c'est pas précis comment je traduis, je vais le traduire plus précisément. Mais en tout cas, tu vas faire du butin. Le Rav Pinkus, il nous explique, il dit que ce verset-là, si tu le décortiques un petit peu, tu vas voir la façon dont tu dois justement accomplir cette guerre contre le Yetzer Hara. Et la première chose qu'il te dit, a marqué, Ki Tetzé la Milchama. Des fois, on dit à quelqu'un, allez, vas-y, renforce-toi, fais tchouva, viens, lève-toi le matin, viens à la prière, viens à la yeshiva, viens étudier, viens, commence à manger kasher. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous répond? Je peux pas, c'est dur, je suis fatigué le matin, j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais. Donc le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend tout de suite, il combat même pas, je me rends. Et qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas nachron, c'est pas juste que tu dois. Si tu veux avancer dans la vie, tu veux vaincre ton Yetzara, la première chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est de partir en guerre. Pars en guerre! Maintenant, regardez le mot qui est rapporté ici, il est précis. La guerre. Il n'y a pas marqué au combat. D'accord? Il n'y a pas marqué en bataille, il y a marqué la guerre. Vous connaissez l'expression. On dit on perd une bataille, mais on ne perd pas forcément la guerre. Et c'est ça qu'on vient nous dire, c'est que maintenant, ça va être une guerre contre le Yetzer Hara. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs combats, plusieurs batailles. Et c'est la loi de la guerre. Il y a les batailles, des fois, on en gagne une, on en perd deux, on en gagne deux, on en perd une. Et donc, la guerre que tu vas faire contre le Yetzer Hara, elle ne va pas être gagnée d'un coup. Ça va être des combats redondants. Tu vas décider, toi, de te lever le matin, aller à la synagogue le matin, aller étudier. Et qu'est-ce qui se passe? Tu t'es levé, t'as voulu te lever, ton réveil il a pas sonné. Vous connaissez ces trucs-là. Et t'es sorti, t'avais pas de masque, et le policier t'a mis un PV, d'accord? Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Et t'as crevé une roue en plus. Que des galères, t'es arrivé, la synagogue elle était fermée, t'avais pas de code, t'as envie de dire, oh là là, ouais, je fais des efforts, je suis pas récompensé, le bon Dieu, apparemment, il veut pas de ma prière. D'accord? Toutes ces choses qui viennent me désespérer. Qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est pas le bon Dieu, rien à voir avec le bon Dieu, c'est toi face à ton ennemi. L'ennemi, il veut pas que tu le fasses. Il veut pas que tu le fasses, donc il se bat contre toi. Il a gagné aujourd'hui cette bataille-là. C'est vrai, il t'a mis un mec, il te met un PV, il t'a crevé un pneu, il t'a éteint ton téléphone pour te réveiller. Mais demain, il y a une autre bataille. Demain, tu feras attention de mettre deux réveils. D'accord? Tu n'oublieras pas de prendre ton masque. Oui? Et quand tu vois au loin le pacard, tu te sauves. Tu prendras le code de la synagogue. Pour être sûr de rentrer, tu arriveras à l'heure. Et bah, Baruch HaShem, demain, voilà, tu as gagné la bataille. L'erreur, elle est de croire que ça y est, j'ai gagné, c'est ma plus forte. Non, demain, il y a encore une autre bataille. Il y a encore une autre bataille. Et après-demain, il y a encore une autre bataille. Et c'est exactement, c'est les lois de la guerre. C'est une guerre, des fois tu gagnes, et des fois tu perds. Mais à force de gagner des batailles, tu gagnes la guerre. Donc on voit que quoi? Que la lutte contre le Yetzer Hara, c'est une lutte. D'une guerre redondante, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Maintenant, il faut savoir que dans une guerre, c'est moche de dire ça, mais soi-disant, il y a la Convention de Genève, tous les coups sont permis. C'est à quoi tous les coups sont permis?
L'ennemi, pour te vaincre, il te fera toutes les crasses possibles, d'accord? Bien que c'est interdit, par exemple, quand ils avaient interdit les gaz chimiques pendant la guerre, personne ne s'est jamais gêné de balancer des gaz moutarde et des gaz de chlore et des gaz de l'ODMA pour tuer les autres. Mais c'est interdit! Ouais, mais bon, c'est la guerre maintenant. La même façon. À la guerre, tous les coups sont permis. Et le Yetzera, lui, te fera des coups les pires. Et tout est permis. Et toi aussi, tu dois te battre contre lui en lui faisant des crasses, en lui faisant des... C'est quoi dire quoi? Tous les coups sont permis. Faut pas chercher la grande guerre. Des fois, la guerre contre le Yetzera, c'est une guérilla. D'accord? C'est de voler ici 5 minutes d'études, c'est de voler une prière, de voler un truc. Des fois, c'est des petites batailles un peu niaises, un peu bidons. Mais au moins, ça me permet. Des fois aussi, c'est, par exemple, les gens ils disent, comprends-moi pourquoi je dois avoir un filtre sur mon téléphone. Je ne suis pas capable de surmonter moi-même mes tendances. Je dis non, tu n'es pas capable. Un jour tu vas bien, deux jours tu vas bien, troisième jour tu vas bien, et qu'est-ce que tu fais? Tu tombes dans la faute. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre un filtre. Mais un filtre, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas une vraie lutte contre le Yetzera. C'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a? C'est une petite guéguerre, une petite barrière que tu t'es mis pour te protéger. Et c'est comme ça qu'on fait la guerre. D'accord? La guerre, on use de tous les moyens pour se battre contre l'ennemi. Le Rav, il continue, et il dit un truc, alors ça c'est très beau ce qu'il dit, et il dit que Hachem, il va te donner quoi? Il va te donner, alors si tu fais ça, Bémet, et comme ça c'est ramené, le Messie, la Yécharim, il rapporte ça, il lui a dit que si un homme, il rentre en guerre contre le Yetzera, en réalité, il n'a aucune chance contre le Yetzera. Il n'a aucune chance. Le Yetzera, il est plus fort que tout le monde. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Akiva, avec Rabbi Meir, où un jour, le Yetzera, il a piégé Rabbi Meir. Un, c'est l'arbre et l'autre, c'est le fleuve. Je crois que c'est Rabbi Akiva, où il avait une femme de l'autre côté du fleuve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu traverser le fleuve sur un fil, un truc incroyable, pour aller faire flotter là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Yetzera, il a vu Rabbi Akiva comme ça, tout feu, tout flamme pour aller faire la faute. Il l'a abandonné. Et là, il est tombé. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Yetzera? Il lui a dit, si ce n'était pas toi, Akiva, qu'on disait dans le ciel, attention à Akiva et à sa Torah, comme ça, je t'aurais bouffé. Ça veut dire que le Yetzera, en réalité, s'il se déchaîne contre nous, on n'a aucune chance. Alors quoi? On est foutu? Non. Là-bas, le Messie Yécharim, il nous dit que celui qui part en guerre contre le Yetzera, il fait des efforts. Alors quand je vois Rousse, c'est lui qui nous protège. Hachem, c'est lui qui t'aide, c'est lui qui te surmonte, qui t'aide à surmonter ton Yetzera, à condition que quoi? Que tu pars en guerre. Si tu pars en guerre et tu te bats contre lui, Hachem, il t'aidera. Comme ça, c'est rapporté dans le Messie Yécharim. D'accord? Je ne me rappelle plus du verset, je l'aurai rapporté à l'occasion. Maintenant, donc c'est ça qui nous dit, Unat, non, Hachem, Elokecha, Beyadecha, il te donnera dans tes mains ton ennemi, tu l'auras dans tes mains. Ça sera à toi, tu frappes comme ça du Yetzera. Ensuite, Veshavita Shivio. Comment traduirais-je? Shavita, c'est de faire du butin. Maintenant, c'est quel butin? Il n'y a pas marqué que tu vas ramasser un butin. Tu vas ramasser son butin. C'est quoi son butin? Alors, en général, quand on va à la guerre, on ramasse des choses qui ne nous appartenaient pas. On a fait la guerre, on a conquis une ville. La ville a des richesses. Et nous, on va les prendre. Maintenant, ces richesses ne nous appartenaient pas. Oui ou non? Ne nous appartenaient pas. Ici, on ne parle pas de richesses qui ne nous appartenaient pas. Il y a marqué « Veshavita Shivio ». Tu vas prendre son butin. De quel butin on parle? Le butin que le Yetzerara t'a volé. Oui? Donc ça veut dire qu'on va aller récupérer, ces Yetzerara, des choses qui nous appartenaient à nous. Quelles sont-elles? Alors, il faut savoir que le Yetzerara, c'est un grand voleur. C'est un grand voleur, c'est un grand escroc. Il nous fait plein de trucs et il nous vole plein de choses. Aujourd'hui, on a une obligation d'étudier la Torah. Oui, tous les juifs ont une obligation d'étudier la Torah. Combien d'heures on étudie par jour la Torah, si on est sérieux? Une heure, deux... Alors, il faut bien que je dorme. Combien on dort? 7 heures, 8 heures? Ah, je suis fatigué. Qui dort 6 heures? Mais non, moi, je dors 8 heures. 8 heures, je suis fatigué, moi. Je suis fatigué. 8 heures, vous n'avez pas 8 heures, vous? Des fois, 8 heures et demie, même. 4 heures. Oui, 4 heures, tu dors. L'après-midi, 4 heures. 8 heures, tu dors 8 heures, ouais, tu manges. Je ne vais pas manger un petit gâteau, je mange un vrai repas. Ma 30 minutes, 30 minutes, quoi, tout ma pitain, 30 minutes. Mon petit déjeuner le matin, il faut faire griller les toasts. Quoi, je vais manger du pain blanc? Mais non, c'est mi-soir, il faut des toasts, il faut l'omelette, il faut le truc bon, non? Une demi-heure, trois quarts d'heure au moins. Et en plus, je suis abonné au journal le matin, c'est important de savoir ce qui se passe. Oui ou non? Donc ça prend bien un quart d'heure, 20 minutes pour lire le journal. Et bien entendu, les gosses, ils vont pas aller tout seuls à l'école, les pauvres. Hein? Ils vont pas marcher, les pauvres gosses. Ils vont pas être fatigués. Donc qui c'est qui les emmène à l'école?
C'est moi qui les emmène à l'école. Bon, bien entendu, à l'heure où moi je les emmène, comme par hasard, tout le monde emmène ses gosses à l'école. Donc c'est un peu long le truc, c'est normal. Bon, à la fin, on y arrive à l'école. Et après, il faut que je rentre à la maison. D'accord, maintenant, hey, c'est l'heure de travailler. Comment je paye mon loyer? Mais je paye mon loyer, non? Donc je vais travailler. Comment je vais travailler? Combien vous travaillez? 8 heures. La pause. Mais la pause, je suis obligé de me reposer un petit peu. J'ai travaillé, là, le client m'a fatigué ce matin. Ouais, je suis obligé de me reposer un petit peu. Un petit café, une fois de temps en temps. Et le soir, je rentre chez moi. Ma femme, elle s'occupait des enfants, des petits. Elle était embêtée. Donc je reste un petit peu avec elle. Ça se fait pas. On est mariés. Moi, je parle un peu avec elle. D'accord? Et il est quelle heure? Il est l'heure d'aller au Beth Amidrash. Oui, mais ce soir, il y a la coupe du truc. Ah, je ne peux pas y aller ce soir. Alors, ça va une fois de temps en temps, la coupe de foot. C'est important, non? Eh, 22 mecs qui courent après un ballon. C'est vachement important de savoir qui c'est qui va réussir à rentrer le ballon dans les cages. Je ne sais pas pourquoi ils 22 mecs qui courent après un ballon. Ils n'ont pas assez d'argent pour donner un ballon à chacun? Non, je ne sais pas. Hein, c'est pas... Elle est nulle. Mais en tout cas, bon, je vais au Beth Amidrash. Et quand j'y vais, purée, j'ai une journée difficile, je suis fatigué. Alors j'arrive à voler 1 heure, j'arrive à voler 2 heures. D'accord, quand le rabbin, il n'est pas trop ennuyant. Oui, l'émission à la télé, il n'est jamais ennuyante. Le rabbin, il est ennuyant. Et après, il faut bien aller dormir. Et combien je suis limité dans les forces. Donc en réalité, combien j'arrive avec de la mauvaise volonté, ça s'appelle ça, ou de la volonté moyenne, combien j'arrive à étudier par jour? 1 heure, 2 heures. 2 heures, c'est un fighter. 2 heures que la cabane. Difficile ou non? Qui c'est qui nous a volé toutes ces heures-là? C'est Yitzhara qui nous a volé toutes ces heures-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous fait comprendre des choses. Il nous dit, tu dois dormir 8 heures. C'est pas vrai, on ne doit pas dormir 8 heures. Un homme normal, pas un enfant, il doit dormir bien. Mais un homme normalement constitué, il doit dormir entre 6 et 8 heures. 6 heures, ça suffit largement. Oui ou non? Un homme, combien de temps il doit manger? Ton Birkat Amazon, il a qu'à durer une demi-heure si tu veux. Mais un repas normal, si tu prépares comme il faut, non, mais ça dure 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, maximum 10 minutes, un quart d'heure. D'accord, les enfants, ils ne peuvent pas aller tout seuls à l'école? Alors des fois, ils peuvent pas, c'est vrai, ils sont petits, mais des fois, oui, ils peuvent. Oui, le journal, tu as besoin de lire le journal? Ah, il s'est passé là-bas, à Honolulu, un truc. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Mais on habite. Ok, c'est l'air, t'inquiète pas, l'information, tu vas la voir. Alors on dit que j'exagère, je suis un peu un illuminé. Je ne suis pas un illuminé, on se force à faire des choses que c'est gratuit. Maintenant, on va travailler. Des fois, et très souvent, Baruch HaShem, des gens, ils ont des métiers qui ne sont pas obligés de travailler autant. Mais il faut bien que je gagne mes 25 000 euros par mois. Alors, j'exagère 25 000 euros. Il faut bien que je me gagne une certaine somme par mois, un peu. Mais qui t'a dit que tu as réellement besoin de cet argent-là? Alors, on a besoin de cet argent-là, mais pourquoi on en a besoin? Parce qu'on s'est créé des besoins. On s'est créé des besoins. Et qui c'est qui nous a créé ces besoins? Yetzara. Le Yetzara, il t'a appris que tu as besoin de manger de la viande tous les jours. Il t'a appris que tu as besoin d'acheter des sacs Gucci à ta femme. Il a besoin que tu t'achètes aussi une belle voiture. Quoi, je vais rouler en Renault? Moi, je roule en Renault. Je suis Michemor. Je veux Mercedes minimum. Ouais ou non? Oui ou non? Qui c'est qui t'a mis ça dans la tête? Toi, tu vas rouler dans une voiture comme ça. Tu as besoin de plus. On voit que quoi? Qu'il y a plein de choses qui sont dans mon dimion, dans mon imagination, que le Yetzara m'a créé des besoins. Je vous ouvre une parenthèse, il y a une Mishnah dans le Pirkei Avot qui nous dit de faire attention à Vezerim Bareshut. C'est quoi Reshut? Faites attention, Reshut. Qu'est-ce que c'est le Mishnah dans le Pirkei Avot? Reshut, c'est quoi Reshut? C'est le gouvernement. La Mishnah là-bas, elle nous dit de ne pas trop être lié au gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement, lui, il t'approche de lui quand il a besoin de toi, mais quand il n'a plus besoin de toi, alors il t'abandonne. Où on a vu ça avec Yosef? Yosef Hatzadik, en Égypte, il a été apprécié, donc on l'a rapproché. Et quand on n'avait plus besoin de Yosef, et qu'il est mort d'ailleurs, alors qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a servi son peuple. Maintenant, il y a d'autres commentateurs qui disent que Reshout, c'est pas le gouvernement. C'est qui Reshout? Oh là, je vous êtes en train de bailler, là, je vous endors ou quoi? C'est un domaine. C'est un domaine, mais c'est un autre mot. Reshout, c'est la permission. C'est quoi Reshout? Permis. Et le Tana, là-bas, il nous enseigne, faites attention à ce qui est permis. D'accord? Ce qui est interdit, c'est évident que je fais attention. Si je te dis, viens dans la maison d'idolâtrie, te prosterner devant l'idole, tu viens? Chas v'shalom, ça va pas ou quoi? C'est péché, oui ou non? Viens faire une avéra, viens manger un hamburger pas cachère. Chamichpour, Chamirachem, ils sont très sadiques cette année. Oui ou non?
Mais si on te dit, viens manger une côte de bœuf avec des frites, qu'est-ce que vous dites? Cachère. Cachère, bien sûr, cachère. Mais Adrien, tu y vas? Oui, pourquoi? Monsieur le rabbin, c'est péché de manger une côte de bœuf? C'est pas péché? C'est vrai que c'est pas péché, mais c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'aujourd'hui, tu manges une côte de bœuf, t'as kiffé, c'était bon. Le lendemain, t'es parti manger quoi? Des sushis, c'était bon? Oui ou non? Donc, tu t'es lancé un train de vie. T'as besoin de manger des trucs bons. Est-ce que ça te contenterait de manger du vieux pain avec du houmous et une tomate? Tu peux manger ça? À Chemishmor, pourquoi Chemishmor? Alors, quand t'as grandi comme ça et que t'as été habitué à ça et c'est ça ton standard, t'es très heureux, t'es très très content. Moi, j'ai eu, quand j'étais au collège pendant une période, on était vraiment très fauchés, le bon Dieu m'a fait un cadeau, j'ai eu une crise de houmous. Une crise de houmous. Je mangeais un pain entier avec un pot de houmous tous les jours. Mais c'était mon kiff, un truc incroyable. Et après ça, j'ai eu 6 mois de trina. Ouais, après je tremblais, je suis parti voir le docteur. Le docteur, il me dit, oula, ça va pas, vous avez pris 4 kilos, c'était pas bon. Mais on voit que bon Dieu, il a eu pitié de moi, il m'a donné le kiff dans la simplicité. Maintenant, quand on kiffe, il n'est pas dans la simplicité. Il est dans les choses qui ont un certain standard. La même chose avec la voiture. Tu peux acheter une voiture correcte, qui roule bien, propre. Non, pourquoi tu as besoin d'un 4x4? Pourquoi Paris, elle est... Il est dodane et tu as besoin d'un 4x4 de surmonter. Pourquoi tu as besoin de prendre un 3 litres ou un 4 litres? À combien tu vas rouler sur le périph? 70, tu n'as pas plus, 70, d'accord? Et il y a des flashs partout, ça veut dire que ta voiture, tu ne peux pas l'utiliser. Mais pourquoi tu as besoin d'avoir une grosse voiture comme ça? À quoi ça te sert? Quoi ça te sert? Oui ou non? C'est interdit? C'est marqué où que c'est interdit? C'est pas interdit, c'est interdit? C'est permis. Mais le problème, c'est ça qui est dangereux, c'est que c'est permis. Et toi, tu ne le vois pas comme un danger parce que c'est permis. C'est ça qui nous dit, faites attention à ce qui est permis. Parce que les choses permises, ils vont monter votre standing, ils vont montrer vos besoins. D'accord? Comme l'autre, il avait acheté une paire de je sais, une fois, dans un bar mitzvah. Et elle avait, la mère, la femme du, pas de bar mitzvah, d'une Brit Mila, elle avait des bottes en caoutchouc, un truc affreux. Et il y avait mon neveu là-bas, je lui ai dit, mais c'est quoi, des bottes en caoutchouc? Il m'a dit, non, c'est pas des bottes en caoutchouc, c'est des bottes Louis Vuitton, ça vaut 4000 euros. Un truc horrible. Mais je dis, le bonhomme qui achète ça à sa femme, ou la femme qui demande ça à son mari, mais où ils vont aller? Qu'est-ce qu'ils vont demander de plus? Ça veut bien mettre des bottes, mais c'est 4000 euros minimum. C'est terrible. Oui ou non? C'est interdit, monsieur le rabbin, d'avoir des bottes à 4000 euros? C'est pas interdit. Mais c'est dangereux. Tu es en train de monter le standing. Et c'est ça qui est dangereux. Le Yetzer Hara, lui, te fait croire que tu as besoin de ces choses-là. Et demain, tu n'as plus les moyens d'avoir toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu fais? Alors tu deviens un escroc. Tu pleures, tu es triste. D'accord? Tu deviens un escroc, tu voles, tu mens, tu trompes. Pourquoi? Hachem Ishmor. Tout ce qu'on dit, c'est Hachem Ishmor. D'accord? Tout ce qu'on dit, c'est Hachem Ishmor. Oui, tu deviens quelqu'un de pas bien. Tu sais, et à la fin, la vie, elle est noire pour toi. Parce que tu as tellement mis le standing très haut que ta vie, elle est gâchée, tu es triste. Quoi? Il n'y a qu'une entrecôte aujourd'hui? Quoi? Même pas une côte de bœuf, une entrecôte. Terrible. Et ce qui est terrible, c'est qu'on nous a habitués à ça et on s'habitue à ça. Et ce qui est permis. Et c'est ça qu'on dit, les Shavita Shivio. Un homme qui fait tchouva, il se bat contre l'Yetzer Hara, il va récupérer ce que l'Yetzer Hara, il m'a pris. Le Yetzer Hara, il m'a pris plein de choses. Il m'a pris déjà, il m'a mis dans la tête, il m'a mis du dimion, de l'imagination, qui m'a fait croire plein de trucs, que la vie, elle ne peut être heureuse que si j'ai ci, est-ce que j'ai ça, et c'est faux. Et une autre chose que l'Yetzer Hara, il m'a pris. Vous savez ce qu'il m'a pris? Le réchec. C'est le réchec? Le réchec, c'est l'envie, c'est la passion. D'accord? Étudier la Torah, c'est beau d'étudier la Torah. Elle est belle la Torah, il y a des choses passionnantes à étudier, ça donne un entrain incroyable, c'est extraordinaire. Le problème, c'est qu'on voit que les gens n'ont plus cette passion-là. Pourquoi on n'a plus cette passion-là? Parce que l'Yetzer Hara nous l'a volé. Comment il nous l'a volé? Avec tout ce qu'on nous montre, d'accord? Tous les films qu'on nous montre, tous les trucs qu'on nous montre, d'accord? Les émissions qu'on nous montre, tous les kiffs qu'on nous montre. Les parcs, toutes ces choses-là. Ce n'est pas forcément des choses qui sont interdites. Des fois, il y a des choses qui sont, oui, permises. Il n'y a rien de pas caché dedans. Mais le problème, c'est que ces choses-là t'enlèvent. T'enlèves quoi? T'enlèves la passion. Et lorsque tu es passionné par autre chose, quand tu arrives devant un livre écrit en noir et blanc, il n'y a pas d'image, c'est très dur d'être passionné. Oui? Quand tu regardes le match de foot, tu t'endors pas. Quand tu regardes une émission, un film, machin, tu t'endors pas. Et pourquoi quand tu vas à la synagogue et t'écoutes le rabbin, tu t'endors?
C'est pas de ta faute, c'est normal. Maman, des fois, le rabbin, il nous endort. Terrible. Mais t'es pas passionné. T'es pas passionné, c'est pour ça que tu t'endors. Si tu étais passionné, tu t'endormirais pas. Si maintenant, le bonhomme qui est en train de parler, il est en train de te dire les prochains numéros du loto. Il va te les dire, là. Il fait toute une introduction. Comment tu vas l'écouter? Comme ça, avec les oreilles, le mèche, tu vas tout enregistrer. Passionné que tu vas être. Pourquoi tu n'es pas passionné? Alors, c'est pas notre faute qu'on n'est pas passionné. Cette passion-là, on nous l'a volée. Le Yetzerare nous l'a volée. Tout au long de notre vie, notre jeunesse, tout ça, on nous a rentré d'autres passions-là. On a volé. Donc, nous, on nous dit, va récupérer cette passion. Prends un livre, va étudier la Torah. C'est pour ça qu'on a besoin d'étudier des fois des choses qui nous plaisent à nous, des choses qui nous donnent de l'entrain à nous, pour justement après étudier les autres sujets avec de l'entrain. Et c'est ça, Beshavita Shivio. Voilà, Bezrat Hashem, sortons en guerre. Allons nous battre contre le Yetzirah. Et Bezrat Hashem, que je beaucoup de la pitié de nous et qu'il nous fasse tchouva et récupérer tout ce butin qu'il nous a pris. Chazak Baruch.